Bonjour à tous, welcome everybody, welcome to the toddler's time of this Tuesday morning. So for those of you who watched it for the first time, toddler's time is a workshop that we do every week, no in Facebook Live, normally in the library. And it's just to give you some ideas of songs and books, and you can watch it with your toddlers or you can watch it alone and get those inspiration for afterwards. So this video will be available on the video section of the Facebook of the French Library and also on our YouTube channel. Alors, aujourd'hui, so I'm talking in French for the whole workshop. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres, Le Loup et les Sept Chevreaux, qui est normalement un livre à toucher, mais je vais me rapprocher, vous pourrez voir quand même les différentes matières. Voilà, donc du conte Le Loup et les Sept Chevreaux et J'y vais, qui est un petit livre très très drôle et qui est aussi bien pour les un peu plus grands que pour les plus petits, avec les pages en carton en plus. Voilà, donc c'est deux livres qui sont disponibles ici bien sûr. Et pour commencer, je vais vous faire une petite chanson qui s'appelle La fourmi m'a piqué la main, si vous voulez la rechercher après les paroles sur internet. C'est une petite chanson qu'on peut reconstruire après comme on veut, donc il y a beaucoup de versions différentes qui existent et vous, enfin chacun peut ajouter les couplets qui veut. Alors ça fait La fourmi m'a piqué la main, oh la coquine, la coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, oh la coquine, elle avait faim. La fourmi m'a piqué le nez, oh la coquine, la coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué le nez, oh la coquine, elle était fatiguée. On va faire l'oreille. La fourmi m'a piqué l'oreille, oh la coquine, la coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué l'oreille, oh la coquine, elle n'avait pas sommeil. Non, non. La fourmi m'a piqué le cou, oh la coquine, la coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué le cou, pic, oh la coquine, elle voulait un bisou. Mouah. La fourmi m'a piqué le menton, oh la coquine, la coquine, la coquine, la fourmi m'a piqué le menton, oh la coquine, elle voulait un bonbon. Hum. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter vos propres couplets à la fin. Donc moi j'ai rajouté le nez, par exemple. Alors, donc, pour cet album, Le Loup et les Sept Chevreaux. Alors j'espère que je vais bien être cadrée, parce qu'aujourd'hui ma collègue Claire n'est pas là pour m'aider à faire l'atelier. Elle est occupée sur les examens du DELF. Aujourd'hui on a pas mal de candidats. Le Loup et les Sept Chevreaux de Nathalie Chou. Publié chez Milan Jeunesse. Il était une fois une maman chèvre qui vivait dans une petite maison de bois avec ses sept chevreaux. Tout doux, tout doux. Je m'en vais chercher à la ville quelques bonnes choses à manger, dit la maman. N'oubliez à personne et surtout, surtout, faites attention au loup. Vous le reconnaîtrez à sa voix grave et à ses longues pattes grises. À peine la chèvre fut-elle partie que le loup frappa à la porte. C'est moi, votre mère. Ouvrez-moi, mes loups petits. Notre maman a une douce voix, mais pas toi. « Tu es le loup, nous ne t'ouvrirons pas. » Mais le loup était bien décidé à les croquer. Le loup avala de la craie pour adoucir sa voix et revint taper à la porte. « Toc, 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 c'est moi, votre mère. Ouvrez-moi, mes doux petits. » Mais les chevreaux virent la patte grise
du loup par la fenêtre derrière les rideaux et ils n'ouvrirent pas. Ils ne sont pas très rassurés quand même. Alors le loup trouva de la farine et y plongea la patte. C'est moi, votre mère. Ouvrez-moi, mes doux petits. Montre patte blanche. Le loup montra sa patte blanche par la fenêtre et la porte s'ouvrit. Il se jeta aussitôt sur les chevreaux et les dévora tous, sauf le petit dernier qui eut juste le temps de se cacher dans la pendule. À son retour, Maman Chèvre trouva la maison sens dessus dessous et un seul chevreau bien apeuré. « Le loup est venu, » raconta-t-il. « Il a mangé tous mes frères. » Il est là, bien caché. Cheminant tristement, ils trouvèrent le loup endormi au pied d'un arbre avec un gros ventre rempli de chevreaux. On peut les sentir maintenant. Vite, des ciseaux, une aiguille et du fil, dit la mère à son petit. Cric, cric, maman chèvre découpa le ventre du loup. Et six petits chevreaux, effrayés mais bien vivants, sortirent en bondissant. Puis elle mit six grosses pierres dans son ventre avant de le recoudre. Le loup, en se réveillant, avait le ventre si lourd qu'il voulut boire au puits. Mais il tomba tout au fond du puits. Et personne ne le revit jamais. Et on voit la maman chèvre réunie avec ses petits. Vérifier que ça tourne toujours. Oui, tout va bien. Pour notre deuxième lecture, donc c'est un petit album qui s'appelle J'y vais de Mathieu Maudet qui est publié à l'École des loisirs. Et donc c'est l'histoire d'un petit oiseau qui part quelque part. J'y vais. Cette fois, c'est décidé. J'y vais. Saute du nid. Maman, j'y vais. D'accord, mais enfile ce pull, il pourrait faire froid. Papa, j'y vais. Emporte cette lampe, si jamais tu rentres tard. Mamie, j'y vais. Oh, voilà des biscuits, si tu as faim. Alors, le petit oiseau a sa lampe, son pull et ses biscuits. Pour l'instant, les biscuits font un peu de miettes. Papy, j'y vais. Mets ma casquette, il y aura peut-être du soleil, dit papy. On rajoute donc une casquette à l'ensemble. Hé, hé, j'y vais. Oh bah tiens, je te prête mon livre, si jamais tu t'ennuies. On rajoute un livre à l'assemblage. Écureuil, j'y vais. Oh bah tu veux mon parapluie? On le plie quand même, le parapluie, c'est plus simple. Et on voit la queue de l'écureuil, là. J'y vais. Oh, bah, prends ma radio, tu te sentiras moins seul. On rajoute une radio. Merci à tous. L'oiseau a donc son livre, son parapluie, sa radio, sa casquette, ses biscuits et son pull. Et il est parti.
Mais où? Où est-ce qu'il va? S'approche, et dans le tronc de l'arbre, il y a une porte. Il entre la porte. Ah, et voilà! J'y suis, dit l'oiseau, qui est donc sur le pot. Et il aura plein de choses à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces deux histoires. Donc on va juste terminer avec une chanson qui s'appelle J'ai une main, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle. Et je trouve que c'est toujours une bonne chanson pour terminer l'atelier parce qu'elle elle a des gestes aussi, mais elle revient un petit peu au. Elle est assez tranquille en fait, assez calme. Donc c'est une bonne façon pour moi de terminer, je pense, une séance de jeu ou de chansons comme ça. Alors ça fait. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elle se regarde, des fois elle se regarde. Et hop, elle se cache. J'ai une main, j'ai une autre main. Des fois elle se caresse, des fois elle se caresse. Et hop, elle se cache. J'ai une main. J'ai une autre main, des fois elle se gratouille, des fois elle se gratouille. Et hop, elle se cache. J'ai une main, j'ai une autre main, des fois elle se frappe, des fois elle se frappe. Et hop, elle se cache. J'ai une main, j'ai une autre main, des fois elles se croisent et puis elles s'envolent. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, que ce soit en direct ou après. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain à 10h30. Donc, see you next Tuesday at 10:30 and have a very, very good week. Thank you. Bye-bye.